Hello, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de The Secret Tears True. Nous sommes dans une nouvelle journée, un nouveau matin de tournage. Espérons que cette fois-ci j'arrive un petit peu mieux à lire que dans les trois derniers épisodes. On avait terminé le premier... le troisième chapitre de Shadow Knight. Qui était donc le troisième chapitre de l'histoire principale, et on avait aussi fait Cupid, le premier chapitre optionnel, entre guillemets, petite histoire sur le côté. Voyons maintenant la deuxième petite histoire sur le côté, qui s'appelle The Angry Flame. Qu'on pourrait traduire de manière très barbare par la flamme en colère. Ah non, flame to flame, c'est un verbe. Parce que le feu, c'est fire. Est-ce que flame, ça veut dire flamme? Le mec, il doute déjà sur le titre. Lady, that's so scary. Thank goodness the building didn't catch fire. Oh oui, en effet, apparemment, on a fait prendre feu. It's arson, right? There's been an outbreak of them around here lately. Ah, it's our landlady. Edin. Burnt loan, 20,000 fill. Burnt walls, 55,000 fill. Visiblement, on a eu un feu qui a pris dans la maison, et du coup, on doit de l'argent aux gens. Enfin, à la propriétaire. Normalement, elle devrait être rassurée, quoi, c'est pas notre faute. J'espère que c'est pas notre faute. Damn it! If only I'd caught him in the act, I'd have given him a good hiding. Donc apparemment, c'est quelqu'un qui a fait un acte... un attentat contre notre maison. Let's be glad it wasn't worse. But now we have extra bills to play. So, less allowance for you, Said. What? Forget the hiding. I'm going to murder him if I ever catch him. Donc forcément, si on va trouver le mec, on va lui faire sa fête, surtout qu'on a beaucoup de choses à payer. Mm-hmm. Là, il se passe un truc bizarre, là. Bon, déjà, on a de la chance, parce qu'apparemment, la maison a pris feu, mais à côté de ça, l'intérieur a l'air d'aller plutôt bien. How scary. That's two nights in a row. I feel sorry for you. Someone really doesn't like you. Quoi, y'a de nouveau quelque chose qui a pris feu? La maison va bien, qu'est-ce qui a pris feu, juste? If they come again, I'm going to kick you out. Quoi? Ah, d'accord, donc on est dans la pire situation du monde. Y'a des trucs qui prennent feu, je sais pas vraiment si c'est la maison ou quoi, mais en tout cas, y'a des choses qui se font atomiser la tête, visiblement. Et c'est pas nous, c'est des mecs qui nous en veulent, on sait pas pourquoi, c'est juste des petits bâtards. Et on a la propriétaire qui arrive en mode, si jamais ils reviennent eux, c'est vous que je viens. On a rien fait, nous. I'm going to get this guy. We got careless. We didn't think this might happen 2 days in a row. We'll catch this guy no matter what. Ok, donc. Du coup, on a un objectif plutôt simple qui consiste à dire wow, on va les attraper et on va leur faire la fête. Est-ce que j'avais déjà utilisé mes petits points pour gagner des niveaux? Oui, je n'ai plus rien. Très bien. Ah, mais j'ai attendu. Ah non, c'est la même. J'étais en mode wow, j'ai un autre artefact et tout, mais. C'est les trucs que tu peux mettre dans tes arbres. Mais visiblement, non. On va quand même sauvegarder un coup parce qu'on avait la petite cinématique. Histoire d'éviter de se faire reprendre si jamais on perd. On a encore jamais perdu, hein. Pour le moment on se débrouille plutôt bien, je trouve. Sans vouloir me la péter. Mais je me la pète quand même un peu. Et on va faire notre mission en mode Shadow Knight. We have to do something, or I won't be able to sleep at night. I won't be satisfied until I beat this guy to a pulp. As you like. Très bien. Soyons satisfaits, allons nous occuper de lui. Le truc c'est que je ne sais pas qui a fait ça, j'ai pas compris. Donc, I didn't start any fires, won't be able to see them if I did. Ah d'accord. Donc il va falloir qu'on enquête pour savoir qui a commis ces actes atroces. Ça ressort, oui, Sorrel Flower. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Toi là. Ah, toi tu es un marchand. J'ai toujours pas compris comment t'acheter des choses, mais de toute façon, étant donné que je dois 1 million de thunes au monde entier, il n'y a pas d'information visiblement.
Il y a peu de chances que le meurtrier soit à l'auberge. Enfin, le meurtrier. Le pyromane. Bon, voyons quand même. Surtout qu'on a la course de ninja. Là, ici, il n'y a personne. Ici. Bonjour. Allez, c'est bon, faut chez je... D'accord, donc lui, il n'a pas changé de dialogue. Donc, j'imagine que non, c'est vraiment... Non, c'est dans la rue qu'il va falloir qu'on trouve des informations, très visiblement. Très visiblement. Ah, je me suis pas fait avoir, j'ai pas attention, je vais éternuer. Pardon. Alors. Attends, ça se récupère, ça brille. Enfin, ça brille, ça ressemble beaucoup. Banana peel. Banana peel, it's locked. Oh, attends, c'est vraiment pas ouvrir les coffres, on est le pire voleur du monde. Personne là. Bougeons. Toi là. There are so many shady people in the city at night. Who knows who the true culprit would be? Oui, il parle bizarrement, je suis sûr que c'est lui. Il y a un mode, il y a tellement de gens dans les rues la nuit. Qui sait ce que ça peut être? Putain, j'ai récupéré une boîte. Genre, je savais pas que je pouvais récupérer des boîtes. Je m'en sais plutôt gré. Alors, visiblement, je peux continuer d'aller par là. Je l'ai déjà cambriolé, tu vois. Ça se récupère pas. Toi là! What do you think? Definitely suspicious. Can I help you? You. Non, never mind. Ok, non, c'est pas lui. Toi là! Fools meet fools, foolish hands. You don't have to interfere, just leave them to it. La guilde. Allons à la guilde, ils ont peut-être des informations pour nous. Eh les becs! Two fizz, says the cadger. Ouais. It's great to have someone hold the grudge against you, good luck. Merci, merci. Ok, superbe. Ok, superbe. Toi là. Oui, oui, on est en trouble, mais... Est-ce que personne n'a d'informations? Putain, les mecs, c'est la guilde des voleurs. Enfin, on n'est pas vraiment encore dans la guilde, mais je pense que tout le monde fait partie de la guilde, là. Arson. Nous, on connaît son nom, apparemment, Arson. Et c'est qui, Arson? C'est l'organisation, Arson? People sometimes have grudges. It comes with the territory in our line of work. Personne n'a d'infos, quoi. De la guilde des voleurs, normalement, on doit avoir sa race d'informations, là. Un peu les mecs de l'ombre, qui savent tout sur tout, pour avoir un coup d'avance. Superbe. Superbe. Vraiment, non, bien. Il y avait des coffres chez Papy, mais vu que je sais pas ouvrir les coffres de toute façon, et qu'en plus de ça, je suis chez mon boss, on va éviter. Hein. Bon, le marchand. Toi, là. Il est encore dans son trip de « Je t'échange du soin contre du soin, je t'assure, c'est de la bonne !» Oh, toi. Oh, toi, mon gars. Ah, je peux passer ici. Quoi? C'est quoi son truc, là? C'est un collecteur. J'en veux pas de ton collecteur, moi j'ai déjà tout ce qu'il faut dans la vie. Fire, all started around this area, ok. Ok, très bien. Donc j'imagine que si je veux partir par là... Voilà, donc on est dans la bonne zone. There's an arsonist about. You've gotta be careful what flammable thing you leave out. Ah non, arson c'est pas un nom, c'est Je sais pas. Est-ce que ça veut dire justement un pyromane Voilà. Maybe now you'll think twice about taking people off all the time. Well, good luck. Merci, merci beaucoup. Très encourageant. Bon, il y avait une pomme, je peux peut-être choper la pomme. Haha. Tiens, je chope ta pomme. Je suis Shadow Knight, moi. Alors, où est-ce que cet arsoniste peut être? Je sais pas si arsoniste c'est parce que c'est le nom de leur organisation et du coup c'est arson avec les arsonistes, tu vois, genre comme Jason et les Argonautes. Mais peut-être que c'est juste un nom anglais, quoi.
pourrait dire quelqu'un qui met le feu. Ici, on n'a pas été. Faut le tour comme ça. Ah. Cette fois, ils ont fermé la fenêtre, ils sont très malins. Lui, il est trop louche. Beaucoup trop louche. Bon, il y avait d'autres caisses là-bas. Voilà, t'es qui? Oh, Issa Ruth. What's up? It's late at night. What do you think? Suspicious. Hein? Is there something on my face? No, it's nothing. Suspicious. Tous suspicious. Ils sont tous potentiellement des petits bâtards. Voilà, on fait comme ça. Ah, je peux pas le choper, celle-là. Très bien. Je suis désolé. Là, y'a personne. Bon sang. Ah. Hello, hello. Il y a encore des gens ici. Trader of some sort. The guy on the second floor ran away leaving this pile of junk. Hopefully, there's something valuable in there. Un gars au deuxième étage. Suspicious. Suspicious, le deuxième étage. C'est ici le deuxième étage? Je sais pas, ça a l'air d'être le premier étage surtout, mais... Il y a des espèces de potions et tout là, il y a un mec qui a du... Il y a tout chaud. Très bien. Suspicious! C'est fermé de partout. Oh, un coffre. Je vais pas réussir à l'ouvrir. Voilà, un autre skill d'INEF. Je ne sais pas ouvrir les coffres. Je suis une brêle. Bon, y'a rien ici. Y'a un mec qui a quitté le monde entier. Ah non, perhaps there's this petit there. Oh! So he planned to strike again tonight too. Well, I'm not gonna let it happen. Ah, c'est pour ça qu'on prend les boîtes. Les boîtes, ça doit être des pétards. Ouais. Des pétards. Mais ces boîtes-là, c'est pas des pétards du coup. Ces boîtes-là, c'est genre. On s'en fiche. Elles sont pareilles. Sur des choses petit à petit, mais vérifier qu'ils soient pas dans la maison, tu sais. Jamais. Peur. Il a pas l'air. Par contre, j'ai vu un truc là. Ça, c'est quoi? Clear ship. Ah ah! Shadow Knight a encore frappé. Voler chez lui. Orange. Plaisir. Le plaisir. Spécifique, we have to catch the guy. Oui, bah oui, bah oui, bah trouvons ce gars. Oh! Papy! Papy, tu fais du feu là. Suspicious! Would you care for a roast potato? Pass, thanks. Why you should do not during the time? Bon, ça a pas l'air d'être papy, mais. Mais y'a un monsieur qui a disparu là. Ouais, il faut faire des allers-retours, j'ai un peu. Ça par contre, c'est chou, voilà. Ah! En fait, il faut trouver des boîtes pour que l'obliger à bouger. Parce qu'il est en mode oh non, mes boîtes! Parce qu'il y a une espèce de pression sur ces boîtes. En mode je sais tout ce que j'ai posé. Là, ça là, voilà. Ah! Ensuite, si j'aurais pas d'autres boîtes. Là, est-ce qu'il est revenu par ici? C'est un jeu du chat et de la souris. Toi là. Oh toi là! Oh toi! Ça, c'était lui. Début! Lovely weather. Don't even try it. Damn! It's payback time. You guys have had this coming for a long time. What payback? Had what coming? That could be any one of a bunch of grudges. Don't tell me you've forgotten about happy fights. Oh, c'est la petite histoire qu'on avait eue avant sur des contrats de crédit frauduleux dont on s'est occupé. Happy Finance? I still have a grudge against them. What? I'm the one who's supposed to be mad here. Oh, le bâtard. You won't get away with the house. Damn it. Il nous a eu. Quel épisode de Zandcruit. Il nous a eu. Je crois que je peux plus trouver, hein. C'est lui là? Non, c'est pas lui.
Ah, shit. Damn it. Je sais pas si on était censé le trouver quand même ou pas, hein, mais... je me suis dit, vu qu'ils étaient en mode, oh non, la maison, tout ça, machin, on va retourner à la maison, quoi, mais... On n'a pas eu de petite image, cette fois. Ah, c'est visiblement, il est terminé. Et qu'il est passé bleu. Bon, maintenant... Donc, ouais, c'est une espèce de... Enfin, oui, c'est des trucs secondaires. Enfin, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas le côté, oh là là, les choses se manigancent dans les ténèbres. À côté de ça, ça se suit quand même. C'est un arc secondaire. C'est la saison spin-off. On va se regarder, quand même. Bah, très bien. Très bien, du coup, on a terminé ce chapitre d'Angry Flame. On a tenté de chasser un pyromane qui apparemment serait connecté à Happy Finance. En tout cas, nul doute qu'on reviendra. Et j'espère qu'on n'aura pas 150 000 fils à payer pour la maison de nouveau, parce que sinon, ça va vraiment mal. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour du Disney Tears ou d'autres choses dès que possible. Et d'ici là, portez-vous bien. À toutes.